Coucou Claire. Nouveau morceau, la sonate pathétique de Beethoven. Je t'invite, le mouvement numéro 3. Je t'enverrai le lien YouTube pour l'écouter. Elle est super belle. Je vais te demander de mettre pause sur la vidéo pour recopier. Et je descends. Pour recopier le doigté. Ok. On va commencer par la main droite. Elle est assez simple et ça fait comme ça. If, fa, ré, et, mi, do, ré, do, si, do, ré, fa, mi, fa, fa, sol, 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 deux, trois, fa, sol, la, a, ré, mi, fa, mi, sol. Do, do, ré, mi, mi, fa, ré, ré, mi, do. Point bas, on s'arrête à la mesure 8. La main gauche, je l'ai fait exprès, est un peu plus compliquée que la main droite, mais il y a les arpèges. Et ça, c'est cool. J'ai oublié de te dire que dans le morceau, le mi, le la et le si sont toujours bémol. À part quand, bien sûr, il y a un bécart et qu'on te le dit, comme dans la troisième mesure. On y va pour la main gauche. On est ici, le do du milieu étant ici, le do est là. Et ça fait do, mi, sol, do, do, fa, sol, si pour la première mesure. On y va pour la troisième mesure. Voilà, c'est la deuxième mesure parce que la première mesure, il n'y a pas de main gauche. Troisième mesure. Do, mi, sol, do. Tu passes de 2 sur le mi bémol. Mi, sol, mi, ré, do. Troisième mesure, do, sol, do, mi, sol, si, ré, sol, la, fa, sol. Quatrième mesure, sol, si, ré, sol, sol, si, ré, sol. Cinquième mesure, fa, la, si, fa, la, si, ré. C'est un accent diminué, séparé de tierce mineure à chaque fois. Fa, la, si, ré, fa. La, si, ré. Sixième mesure. Mi, sol, do, mi. Tu passes sur le la bémol ici. La, do, mi, fa. Je refais. Mi, sol, do, mi. La, do, mi, fa. Puis après, sol. La septième mesure. Sol, do, mi, sol, sol, si, ré, sol. Chute. Huitième mesure. Mi, sol, do. Mais je te demande de le faire main séparée. Apprends bien la main gauche par cœur et tout ira bien. Il n'y a rien de compliqué dans ce morceau. Bon courage à toi.